Un gros camion, de billes de bois a écrasé une dame, elle est morte. Admettons que c'était lundi. La parole de Dieu dit que quiconque invoqua le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est ça. Vous êtes lundi. Je vous les adventiste. On vous enseigne que c'est le samedi seulement que vous devez révérer Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes chez vous, Un malheur arrive, un lundi. Si vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, qu'est-ce que le Seigneur dira? Ça, c'est dans, dans la doctrine qu'on m'a enseigné. La première des choses. Lui venir en mer, quel que soit. Mais le samedi, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'ils sont? Tu es sauvé pour le faire. On ne fait pas la vie pour être sauvé. Maman, Jésus, ça devient jour. Les mêmes raisonnements, c'est un jour avec les témoins de Jéhovah. Les mêmes raisonnements avec les mormons. Les raisonnements avec les ceux-là. Charles, si c'est vous, c'est l'équipe. Ils ont tous commencé, même les baptistes, là, ils ont tous commencé ensemble. Mais les autres se sont détachés. Quand en 1844, ils ont compris que ce n'était pas la fin du monde qui venait, que Jésus ne revenait pas ce jour-là. Alléluia. Oui, on connaît bien John Russell, le franc-maçon fondateur de Tenue de Jésus. Regarde, maman. Regarde. Ton pasteur t'a déjà dit que ça, souvent, ça peut se condamner. On t'a déjà enseigné ça. Quand en tant que chrétien, tu ne peux pas porter ça. Si je mets ça, que ça devienne une étoile pour moi. Genèse 3, Genèse 3 dit que le Seigneur a maudit le serpent. C'est pas facile. Et que je ne m'y attache pas à ça. Ça, c'est un objet tout que je vois. Tout ce que tu as vu pendant les trois jours à la maison, tout ce que tu as vu aujourd'hui, le matin, tu as vu ça. C'est un jour. Les adventistes du septième jour disent en dehors du samedi. C'est ça, les autres, c'est ça, ce qu'ils disent. Jésus en dehors du samedi vont aller en enfer. C'est ça, ils disent. Voici le fondement de leur doctrine. C'est ça, ils disent. Ils ne croient même plus au Saint-Jésus. Ils croient plutôt au sabbat qu'au Saint-Jésus. Voilà. Ça dépend de comment on t'a enseigné. Ça dépend de comment aller en enfer. Hélène White. Parce que moi, par exemple, j'étais infirmière. J'ai travaillé. Très bien, j'ai expliqué ça. Parce que je faisais l'œuvre, j'aidais les malades. Est-ce que c'est parce que c'est samedi que tu vois un accident, là, tu n'aides pas quelqu'un? Tous les jours. Donc c'est ça la doctrine de l'adventiste du septième jour. Donc vous ne priez pas Jésus le lundi, le mardi, mais exclusivement le samedi. C'est pour ça que vous vous êtes appelé. Le samedi là est sacré. Déjà, là. On attend la Elle a dit, à partir de vendredi, tu prépares ton sabbat. Tu te prépares déjà. Ils t'ont trompé. Parce que quand tu... Le Dieu, c'est de tous les jours. L'école de sabbat. Que chaque jour, tu dois être là. Jésus-Christ, c'est le maître du sabbat. Pourquoi vous appelez cette école à l'école du sabbat? Nous apprenons la parole de Dieu dans ce jour. Écoute, il est écrit, c'est ça. Tu reconnais au moins la Bible. Il est écrit. Colossiens. Mais pourquoi? Voilà, Colossiens, c'est le sabbat. Colossiens, je vais commencer par là. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Là où tu es maintenant, tu es la proie de la religion. Tu es une proie de la religion. Attends, je vais commencer. Pas la philosophie. Écoute, maman. Pas la philosophie. Comme vous me voyez là, moi, je ne suis pas un pasteur. Je suis ce qui est écrit. Oui, c'est ça, on est en train de te lire. Je ne sais pas aujourd'hui que vous pouvez. Sa foi, personne ne vous juge au sujet du manger du bois ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats.
C'est fini. Cette croix de sabbat là, c'est fini. La balle de la mort. Bam. Quand on doit tout manger. Jésus-Christ est le maître du sabbat. On doit tout manger. C'est ça. Le sabbat, c'est le repos éternel. Donc, vous ne croyez pas aux paroles de Jésus. Lui-même a dit qu'il n'est pas venu changer un seul iota. Oui. C'est pas fruit de moi, parce que je sais que là où je suis là, je ne sais rien. C'est l'esprit qui parle mon maman. C'est la maman qui n'est pas ce qui a problème. Non, ce n'est pas ça. Parce que je suis une personne humaine. Je suis une personne humaine. Mais la loi de Christ donne l'assurance du salut. La loi de Christ donne l'assurance du salut. Comment vous tous là, il n'y a que moi. Bon, shalom, Père de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Alléluia. Mais son objectif, c'est qu'il veut sauver tout le monde, mais il ne force pas tout le monde à venir à lui. Notre maman, bon, c'est une adventiste. Elle était avec nous pendant les 3 jours de croisade. Elle a vu, on a prié pour elle, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a restauré. Mais elle veut rester dans son adventisme. Elle ne veut pas faire le baptême au nom de Jésus pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle ne veut pas. Voilà, le diable, il a semé tellement de religions sur la terre, en mettant dans la tête des gens des futilités qui ne peuvent pas les sauver. Les adventistes ne croient qu'au sabbat. Ils ne croient même pas au Jésus, mais ils ne croient qu'au sabbat. Si tu n'adores pas Jésus le jour de le samedi, le sabbat là, c'est que tu n'es pas chrétien. Mais nous, les chrétiens, les vrais disciples de Jésus là, nous adorons Jésus tous les jours. Et le Saint-Esprit travaille. Lundi, tu pries le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Mardi, tu pries Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Mercredi, tu pries Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Jeudi, tu pries Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Vendredi, tu pries Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Samedi, tu pries Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Dimanche, le Saint-Esprit se manifeste. Tous les jours appartiennent à notre Seigneur Jésus. Le sabbat n'est pas, nous ne sommes plus attachés au sabbat parce que la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Alléluia. Et dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit que personne ne vous juge au sujet de manger du bois, au sujet des fêtes, au sujet des nouvelles lunes et des sabbats. Colossiens 2, chapitre 16 a déjà déchiré ce sabbat. C'est pas que Jésus est venu déchirer la loi, mais il est venu accomplir. Et Jésus a déjà accompli ces choses. Notre grand sabbat, c'est le ciel. Le chrétien n'a plus le temps de se reposer pour dire que c'est seulement les samedis. Non, le chrétien, tous les jours, nous travaillons pour gagner des âmes pour le Seigneur. Et notre repos éternel, alléluia, notre sabbat éternel, alléluia, c'est le ciel. C'est ça. Lisez le livre de Hébreux, vous allez comprendre que nous ne sommes plus attachés à ces choses-là. Hébreux 4. Alléluia. C'est l'homme des choses à venir. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui nous suivez, qui avez suivi ce moment de baptême, la veillée, tout ça là. Nous bénissons le Seigneur pour vos soutiens de prière et tout ça. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous nous préparons pour Douala. Demain, ce sera culte d'action de grâce avec le repas du Seigneur. Et le lundi, nous nous embarquons pour Douala. Et les habitants de Dieu, les frères et sœurs du Douala se préparent. Et Bafoussam aussi se prépare. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Shalom à vous. Merci.